Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Palmi Sakman pour la caille. Et soit regardé DM là, c'est déplamé un petit monde qui travaille dans factory qui en brick factory dans Kaboul et Afghanistan. C'est un exemple de ça nous relé esclavage moderne. On parle de esclavage du temps moderne, c'est tout côté il y a forcé moun yo travail ou bien forcé yo marié et que moun sa yo pa ka refuser pour yo faire ça yo di a yo pa ka échapper avec menace yo presque on dit yo presque venir on bien en propriété de compagnie ou bien des individus violence. Et gain des recherches et non série de enquêtes qui fait sur à peu près 180 pays et qui sorti résultat recherche ça a publié hier lundi et yo montré gain plus que 50 millions moun nan monde là k'ap vive sa nou rele yon forme d'esclavage moderne. OK, nous bien dit 50 millions moun nan monde là qui considéré comme des victimes que yo forcé marier, que yo forcé travail. Augmentation ça, les APC comparé par rapport à année qui passé, yo dit li augmenté de 25% d'après rapport qui publié hier lundi par et bien Organisation internationale du travail. Et d'après rapport ça, yo parlé de Covid là, yo parlé des conflits armés, yo parlé de ça n'a relé des crises climatiques qui causaient chiffre ça que nous sommes là 50 millions moun k'ap vive ça n'a relé yon façon l'autre yon forme d'esclavage au temps moderne qui lié avec employment, éducation, ça qui entraîne ça n'a relé yon extrême pauvreté. Et yo parlé tout de migration qui en fait l'en parler de immigration qui fait dans condition déloyale ou ka comprendre et ça n'est le trafic et qui fait tout gagner des violences basées sur genre, c'est tout ça yo. Et organisation dit pas grand rien qui t'a supposé justifier que nous en 2022 yon persistance de ça nous relé abus sous droits humains en 2022 qui gagne dans moment que n'a parlé là. Et donc yo pensé que faut ta gagné yon levé campé contre injustice ça yo des politiques nationales pour protéger et groupe moun ça yo et ses droits et gouvernement yo et pour yo faire travail ça. Et rapport là parlé yo journée jodi a nous besoin de meilleures lois qui pour punir ces jeunes individus beaucoup plus sévèrement. Ils ont besoin plus de protection légale, plus support pour femmes, pour petites filles, ça qui vulnérable justement pour être capable de réduire et ça ils ont parlé de l'esclavage au temps moderne. Suivant estimation, ils ont parlé de 22 millions de monde qui vivent dans sanitaire des mariages forcés rapport ça qui sorti 22 millions moun, yo di c'est 40% d'augmentation par rapport à 43. Ma konti n comprendre. So ou pa avanse nan temps, ou te di bagay sa ta supposé, c'est bon bagay pou moun ta supposé parler, li existe nan monde dan, li augmente de 43%. Ou ka comprendre ça? Si gen grand gros, si gen misère, plusieurs moun, gen des parents qui même bay ti moun sa yo même, vous comprendre? So c'est le cas de l'Afghanistan, gen anpil histoire de ce genre, gen des familles tellement gen grand gros. Et puis gon moun on bourgeois qui venir yo bay ti moun nan juste pour capable pas tête charger. Et donc yo parlé de presque 2/3 de moun sa yo et femme tankou ti fi ki yo forcé pour marier d'après rapport ça. Yo gen des risques d'exploitation sexuelle et de violence tout. Et en pile nan yo qui sorti dans zone Asie, dans zone Pacifique. Bon, nous connais zone sa yo yo fait bay sa yo en pile. Et yo souligne tout que Covid là li fait bagay la vin pi mal. Ça veut dire ça ndarele et forme d'esclavage moderne, pauvreté a et mariage forcé yo. Covid là nous connaît li affecte en pile pays de manière économique qui dit misère
eh bien, dit utilisation que vous faites de moun yo, ça qui gagne moyen ou ça qui passe. Et nous connaissons des grands pile pays qui était lockdown pour te et qui te fait qu'il y a des moun qui pas ka travail pour gagner vie yo. Il y a des l'école qui te fermé. Donc c'est tout facteur ça qui vient faire augmentation de ça nous relé et esclavage au temps moderne que on dit que il y a constaté et dans le monde là. Et India par exemple et qui c'est un côté qui te gagne plus l'école fermée à cause de pandémie, il a forcé près de 4 millions de timoun et rester la caillou pendant près de 600 jours. OK? Et en pile, il a parlé de près de 10% là dans timoun ça a tout quitté l'école net à cause de pandémie. Donc c'est ça et il a parlé tout de et travail tout de timoun qui ont forcé travail. Et donc il parlait de une augmentation de 28 millions. Donc pas oublier que son rapport qui sorti qui montrait en fait bien dit timon du travail c'est pareil avec ça ou gain ça mais ça va regarder derrière maintenant là. Et yon timon qui travaille dans un brick factory. Ouais, donc ou ka gain idée aussi si mais un timon comme ça ou ka comprendre dans qui condition que et timon ça vivre c'est des de bagages qui très choquant et difficile à admettre que des années côté que n'a pas avancé vers la technologie vers la modernité et que pour journée aujourd'hui a dans divers coins en monde là gain des monde que yo a exploité cap travail contre volonté yo et qui pas gain le choix c'est difficile à avaler but nevertheless c'est en réalité son façon vous dit que gain pile chose ca et richesse yo mal partagé bien entendu. Et que les pays avancés, western pays, yo gen, en fait, yo gen en pile bay pour faire pour capable créer ça ndarele, yon certain d'équilibre dans monde là pour que plus jamais nous pas besoin parler d'esclavage au temps moderne que nous capable traverser dans l'autre partie dans histoire. Donc voilà guys, nous te pote update ça pour nous, c'était vraiment un plaisir. Pas oublier et pour peser bouton subscribe qui en bas pour capable toujours être connecté avec nous.